Avec Joseph, j'adore. Toi, Jésus, fils du Père, je t'aime tant. Avec Joseph, je t'adore. Toi, Jésus, fils du Père, et bienvenue à chacun. Avec Joseph, je t'adore. Toi, Jésus, fils du Père, je t'aime tant. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, toujours et en tout lieu. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Il fut l'homme juste que toi tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés pour t'adorer. Avec Joseph, je t'adore. Avec Joseph, je t'adore. Toi, Jésus, fils du Père, je Et Jésus, si on a mis un lys de la paix devant toi aujourd'hui, le lys pour penser à ton Père dans sa pureté, mais aussi pour te demander la paix dans le monde et la fin de la pandémie dans le monde. Nous voulons prendre quelques moments de silence pour te remercier de tout ce qu'a été cette neuvaine à Saint-Joseph. Te remercier pour les grâces reçues, pour les manifestations de ton amour envers chacun d'entre nous. Et si on n'avait pas vu encore l'action de ton esprit, on te demande, Seigneur, de te révéler à nous.
Saint Joseph, tu es modèle de foi pour chacun et chacune d'entre nous. Tu as accueilli la présence de Dieu dans ta vie. Tu as accueilli Marie alors que tu ne comprenais rien. Tu t'es engagé dans le plus grand des mystères, celui de l'incarnation. Et tu y as vécu fidèlement. Prie, Joseph, pour nous, pour que notre foi grandisse, pour que la foi de tous nos amis qui sont avec nous aujourd'hui, que notre foi devienne encore plus vivante, surtout devant tout ce que nous ne comprenons pas ou comprenons peu. Chante avec nous, Joseph. Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour.
Seigneur, tu nous as donné trois grandes vertus théologales le jour de notre baptême. La foi, l'espérance et la charité. Et Joseph est modèle de chacune d'entre elles. Maintenant que notre foi, tu nous as donné la grâce de la voir grandir, notre espérance aussi, on vient te demander la charité. La sainte charité, la seule qui restera. Saint Joseph a aimé. Il t'a aimé, Seigneur, il t'a préféré en tout. Il a aimé Marie comme la mère de Dieu, mais il l'a aussi aimé tendrement comme son épouse bien-aimée. Il t'a aimé, Jésus, et parce que tu étais au cœur de leur maison entre Marie et Joseph, il apprenait aussi à aimer de toi, qui est l'amour, Jésus. Joseph t'a aimé, tu l'as aimé, vous vous êtes aimé. Que dire de plus? Sinon, Seigneur, augmente notre charité. Joseph, prie pour nous. Toi qui as trouvé l'amour dans ta vie, apprends-nous à aimer. Fais-nous comprendre que l'amour vient de Dieu. Chante avec nous, Joseph. Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante
Seigneur, merci beaucoup pour ce temps de prière que tu nous offres. Tu sais aussi comment Joseph a été un homme de prière à la fin de la journée. Quand son travail était terminé, il revenait à la maison. Et sans doute qu'il s'occupait de toi, Jésus, comme les papas souvent font. Et une des responsabilités des papas, c'était d'apprendre à leurs enfants à prier, de leur enseigner la Torah, la Bible, de leur transmettre les prescriptions de la loi du Seigneur. Et Marie, tu devais prier aussi avec Joseph à la fin de la journée, avec Jésus. Tu devais réciter à haute voix des litanies pour glorifier le Seigneur, le remercier dans vos mots des petites choses de la journée, implorer pour les voisins, les voisines, peut-être même pour vous-même. Joseph, apprends-nous à prier simplement. Et comme vous avez prié des litanies, ben à notre tour aussi, on va chanter une litanie à Joseph. Puis on va prier pour les différentes intentions que vous présentez présentement. Soit pour des malades, soit pour de l'action de grâce, que ce soit pour vos familles. Alors, vous pourrez répondre très rapidement après le refrain. Vous pourrez répondre « Prie pour nous ». Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Père Saint, prends pitié de nous. Père Saint, prends pitié de nous. Fils de Dieu, prends pitié de nous. Fils de Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint, prends pitié de nous. Sainte Trinité, prends pitié de nous. Shalom Joseph, Shalom Joseph, homme de foi pure. Prie pour nous, oui, prie pour nous, pauvre pécheur. Glorieux descendant de David, prie pour nous, lumière des patriarches, prie pour nous, homme de la nouvelle alliance. Prie pour nous, chaste époux de la Vierge Marie. Prie pour nous, protecteur de la Sainte Famille. Prie pour nous, Joseph, ombre du Père. Prie pour nous, Shalom Joseph, Shalom. Prie pour nous, oui, prie pour nous, pauvre pécheur. Homme juste et homme prudent, prie pour nous. Homme noble et courageux, prie pour nous. Homme obéissant et homme fidèle, prie pour nous.
prie pour nous. Patron de la vie intérieure, prie pour nous. Consolation pour les malheureux, prie pour nous. Gardien des vierges et des consacrés, prie pour nous. Espérance de tous les malades, prie pour nous. Shalom Joseph, Shalom Joseph, homme de foi pure, prie pour nous, oui, prie pour nous, pauvre pécheur, patron des mourants et terreur des démons, prie pour nous, modèle des travailleurs, prie pour nous, patron de l'Église universelle, prie pour nous, homme de paix et homme de silence, prie pour nous, homme au cœur pur et dépouillé, prie pour nous, humble serviteur du projet de ton Dieu, prie pour nous. Homme debout, homme d'espérance, prie pour nous. Homme fort dans la tendresse, prie pour nous. Joseph, homme du nouveau millénaire, prie pour nous. Shalom, Joseph, shalom, Joseph. Homme de foi pure, prie pour nous, oui, prie pour nous, pauvre pécheur. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout mal, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire, de bénir et de sanctifier ton Église, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire, de bénir et de sanctifier le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, de grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire, de bénir et de sanctifier tous les pères de famille et les pères spirituels, de grâce, écoute-nous. Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta très sainte mère.
fais qu'en nous mettant ici-bas sous ta protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as donné au Québec un saint qui a été un grand, grand ami de Joseph et qui s'appelle le Saint-Frère André. Tu nous l'as donné au Québec, mais tu nous l'as donné aussi pour le monde entier comme modèle d'humilité, d'obéissance, de pauvreté, de service. Un humble portier, comme il se plaisait à dire, ils m'ont mis à la porte et ils m'ont laissé là toujours. Mais il avait des phrases, des paroles qui ont été retenues de lui. J'aimerais nous en rappeler quelques-unes aujourd'hui pour réveiller notre foi. Il disait, « Priez, Saint-Joseph, il ne vous laissera jamais tomber en chemin. » L'huile, la médaille de Saint-Joseph, fait penser à lui et ça excite la confiance en lui. Ce n'est pas pour Saint-Joseph la médaille ou l'huile, c'est pour réveiller notre foi. Il disait, je vais prier Joseph, et je vais prier avec vous. Alors, frère André, aujourd'hui, on te présente toutes les intentions qui sont là au clavardage que tu vois. Elles sont nombreuses. Que ce soit pour une entorse lombaire, que ce soit pour un mal de dos de quelqu'un d'autre, que ce soit pour... une fille, pour quelqu'un de sa famille. Prie avec nous, frère André. Il disait, « Allez prier devant la statue de Joseph et dites-lui, Saint Joseph, priez pour moi, comme vous auriez prié si vous étiez vous-même sur la terre à ma place. » Alors, Saint-Joseph, on te voit très bien à côté de Jésus présentement. Puis, on veut te rencontrer personnellement dans le silence et te refaire cette prière. Prie pour moi, comme si tu étais à ma place.
le frère André disait, on va aller faire des prières d'action de grâce pour remercier le bon Dieu. Ensemble, on va le remercier. Seigneur, notre Dieu, Père, nous te rendons grâce pour les bienfaits sans nombre dont tu nous as comblés. En particulier pour nous avoir donné en Saint-Joseph un protecteur rempli d'attention. Avec ton aide, Seigneur, nous voulons nous montrer dignes de lui en vivant sans cesse à son exemple. Avec la préoccupation de te plaire en toutes choses. Ainsi, nous pourrons nous dire toujours tes véritables enfants. Frère André disait aussi, quand vous dites notre Père qui es aux cieux, Dieu a l'oreille collée sur votre bouche pour vous entendre. Alors, par l'intercession de Saint Joseph, Père, nous voulons te prier ensemble. Il y a tellement d'intentions. Mais Jacques vient d'en présenter une à la fin que j'avais présentée au début. La paix dans le monde et la fin de la pandémie. Et je crois que ça rejoint tout le monde. Ça rejoint l'espérance de tout le monde. Le besoin de tous. Père, entends nos voix, peut-être qu'on te prie en français aujourd'hui, mais entends les voix qui montent dans toutes les langues du monde pour te demander la fin de cette pandémie. Puis si on a encore quelque chose à comprendre, fais-nous le comprendre. Et si plusieurs espèrent juste dans le vaccin, pour la fin de la pandémie. Donne-nous de pouvoir l'espérer aussi pour les plus pauvres. Les pays qui sont plus riches, qui vont recevoir des millions de vaccins. Mais les pauvres, où il y a des millions de personnes, Seigneur, eux aussi méritent la paix et la fin de cette pandémie. C'est tout ça, Seigneur, qu'on te présente et plus encore. À travers ce Notre Père, dis aux intentions de tout le monde qui a écrit et ensemble à cette grande intention. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Joseph, on disait de toi, tu étais un homme fort. Tu
Puis, on peut s'imaginer que tu avais les épaules larges à porter tes morceaux de bois et à travailler comme tu travaillais. Mais quand on voit toutes les intentions qu'on dépose sur tes épaules, quand on voit toutes les intentions, tous les vocables qui sont les tiens, tous ces petits autels qu'on retrouve à l'oratoire Saint-Joseph, où on te retrouve comme patron des travailleurs, patron des mourants, terreur des démons, protecteur des vierges, père de toutes les familles. Quand on te voit aussi la consolation des malades, le patron de l'Église, l'ami des affligés, quand on voit tout ça, Joseph, on se dit, tu es un véritable père. Tu en prends large et tu pries sans cesse, tu t'occupes de nous. Merci d'être le Père que tu es pour chacun d'entre nous. On pourrait peut-être chanter en terminant un des chants les plus classiques qui est « Noble époux de Marie ». Ceux qui ont leur prion en église pas tellement loin d'eux, c'est à la page 189, mais l'important c'est qu'on chante le refrain « Veille, veille sur tes enfants » pour tous les vocables, pour toutes les intentions qui sont confiées à Joseph. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Et Joseph, on t'avait confié il y a un an passé le message lumière. On a fait le premier le jour de ta fête, puis on te disait, tu seras le patron du message lumière. Je pensais jamais qu'on travaillerait autant que ça, mais tu es vraiment le patron des travailleurs aussi. On peut pas chanter veille, veille sur le message lumière, mais on va continuer de te demander de veiller sur tout tes enfants du message lumière. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Et Seigneur, en terminant, merci de nous bénir. Merci de nous bénir et de nous donner d'ici la fin de la journée, de voir ton action dans notre vie, que ce soit un pardon qui n'est pas encore accordé envers quelqu'un. Seigneur, comme Xavier te demande, cette joie de pouvoir pardonner, cette libération de pardonner dans son cœur. Peut-être qu'il y en a beaucoup aussi qui ont à pardonner à leur père. Et on peine à te reconnaître, Joseph, pour reconnaître Dieu Père Providence. Que dans cette bénédiction, ce soit bénédiction de libération. Et on le demande tous ensemble. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père, qu'il nous soit bienveillant, qu'il nous bénisse, Dieu Père, qu'il nous accorde sa paix, que Dieu Père nous bénisse et nous garde, que Dieu Père nous bénisse.